Bon, alors, troisième et dernier volet, la réforme, on va dire, administrative. Parce que ça, c'est très important. La réforme administrative, c'est vraiment le choc entre deux cultures. Comment les gens vivaient et qu'est-ce qu'on va leur imposer? Alors, comment les gens vivaient? Ils savaient qu'il y avait différents échelons, mais eux, ils avaient un échelon privilégié. Alors, au niveau du vocabulaire, le mot qu'on utilise, c'est le mot paroisse, ou parfois on utilise le mot communauté. Alors, quand vous trouvez le mot paroisse dans des textes du 18e, ce n'est pas uniquement dans la dimension religieuse. Ce qu'on appelle une paroisse, c'est tout simplement parce qu'il y a un terme qui n'apparaîtra qu'avec la Révolution, c'est le terme de commune. Donc vous voyez, quand on dit une paroisse, bien sûr, il y a la dimension religieuse. Une paroisse, elle a un point focal qui est l'Église, mais en même temps, c'est aussi bien la communauté civile que religieuse. La paroisse, ce n'est pas forcément le bon niveau. Chez nous, c'est rare qu'une paroisse ait un seul village. Pas beaucoup, hein. Sur le bas, il y a quoi? Il y a Saint-Oyen. Non, il y a deux villages de Saint-Oyen. Non, il n'y a qu'un tout point. Bon, pas mal. Il y avait deux villages. Villard-le-Rhin. Mais non, Villard-le-Rhin, ça faisait partie de Salins, à l'époque. Donc, vous voyez, la plupart des paroisses, il y a plusieurs villages. Pourquoi on privilégie ça? C'est tout simplement parce que si vous faites un gros village, vous allez pouvoir rassembler beaucoup de gens, mais d'abord, le gros village, ça veut dire qu'il va y avoir forcément du bâti sur des terrains qui, point de vue de l'agriculture, sont intéressants. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux dispatcher les constructions de manière à construire aux endroits où c'est moins intéressant pour la culture. Et puis moi, c'est ce que j'appelle la laitue à moins de 10 minutes. Alors, si vous avez un trop gros village, forcément le jardin il va être éloigné. Si vous avez un village avec 20 maisons, votre jardin il est à 5 minutes de la maison. C'est avoir une répartition un peu harmonieuse entre les terrains qu'on cultive et l'endroit où on habite, pour ne pas avoir des kilomètres et des kilomètres à faire. Donc ça veut dire que là, on est vraiment sur l'unité de vie. Les gens, ils appartiennent à une paroisse, d'accord, mais avant tout, ils appartiennent à un village. Vous pouvez appeler ça un hameau, si vous voulez. Et ce qui montre bien que c'est une unité de vie, c'est que dans ce village, bien sûr, il y a l'Église. On est baptisé, on se marie, on sera sépulturé. Mais chaque village se donne quand même son unité à lui. Dans le meilleur des cas, quand on a un peu d'argent, avec une chapelle. Si on a moins d'argent, ce sera un oratoire. Mais voilà, ça veut dire aussi que chaque village à son saint patron, qui n'est pas le saint patron de la paroisse. Alors on se donne quelque chose de particulier. Et donc c'est dans ces villages qu'est né un fonctionnement qu'on peut appeler démocratique. Alors on va mettre deux bémols à la clé. Le premier bémol, c'est une démocratie masculine. Alors, eh bien, c'est un gros bémol, mais voilà, c'est déjà ça. J'ai rencontré, alors rarement, mais quand même quelques textes où on trouvait une femme, à l'assemblée des chefs de famille. C'est dans un cas très simple, c'est quand la femme est veuve et qu'elle a la responsabilité d'enfants qui sont mineurs. Quand on dit d'enfants, quand elle a la responsabilité de garçons qui sont mineurs. En attendant que ces garçons soient plus grands, elle peut participer à l'assemblée des chefs de famille. Donc c'est le premier bémol.
les femmes ne sont pas à l'Assemblée des chefs de famille en règle générale. Et le deuxième bémol, c'est une gérontocratie. C'est-à-dire qu'un feu, c'est un toit. Alors, sous le toit, il y a pépé, bébé, il y a papa, maman, tonton qui n'est pas marié, puis il y a tous les enfants. Et bien, qui est-ce qui va être à l'Assemblée chef de famille, tant il est debout, c'est pépé. C'est-à-dire que son fils peut avoir 40 ans, du moment que le père est vivant, c'est le père, c'est comme à l'armée, c'est le plus gradé, le plus âgé, comme le grade le plus élevé. Donc, on part du principe que le grade le plus élevé, c'est le grade masculin, et c'est le plus âgé des mâles de la maison. C'est comme dans les... C'est comme dans toutes les sociétés traditionnelles. Voilà, sauf patriarcat, mais le matriarcat est un patriarcat inversé, hein, dans ce cas-là, ça veut dire que... Donc, moi, ce que je... Voilà, après, bon, on ne fait pas l'histoire, on peut regretter qu'il y ait autant de restrictions, mais ça veut quand même dire qu'il y a une assemblée. Ça, c'est important, parce que c'est ce qui a permis aux gens de sortir du système médiéval. Le système médiéval ne s'assemble pas, pour la bonne raison que celui qui commande, il s'appelle le seigneur, il s'appelle le baron, il s'appelle le comte, etc. Donc là, ça veut dire qu'au sein des villages, il y a quelque chose qui est né et qui sortait les gens, vous voyez, d'un système de servage. Alors, j'ai fait une liste, des principes qu'on trouve. Alors, on les trouve à l'œuvre très simplement quand on lit certaines décisions qui étaient prises. Il y a des textes qui sont très bien faits. Par exemple, comment on peut se servir du four. Parce que le four est à tout le monde. Il faut mettre en place un règlement du four. Comment on peut aller chercher du bois dans la forêt. C'est un peu tout ça. Alors, j'ai mis quelques principes. Le principe de subsidiarité. C'est un mot barbare, mais c'est une réalité qu'on ignore totalement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je caricature pas. Il y a un problème dans votre quartier. À vous dire, vous allez voir le maire. Le maire, il va vous dire, oula, ça c'est plus de nos compétences, maintenant c'est la communauté de communes. Vous arrivez à la communauté de communes, on vous dit, ah ben non, là il y a le conseil départemental qui a mis en place quelque chose, donc vous allez voir à Chambéry. Puis bon, il y a un moment où il y a un gars qui vous dit, mais c'était quoi la question au départ. Ça c'est l'inverse du principe de subsidiarité. Principe de subsidiarité, je crois que la meilleure manière de l'énoncer, c'est de dire que la meilleure manière de résoudre un problème, c'est de le résoudre là où il se pose. Ça, c'était leur principe de base. Il y a quelque chose qui ne va pas au village, ça veut dire que c'est au village de régler le problème qui va pas. Si des fois, après, on peut avoir besoin de l'aide des autres, mais c'est au niveau local, il faut commencer à essayer de résoudre les problèmes. Donc c'est ça que ça veut dire. Le mot est un peu compliqué, mais voilà, c'est résoudre le problème au plus près de l'endroit où il se trouve. Ensuite, le principe de banalité. Alors, le ban, c'est quoi? Le ban, c'est ce qui est permis et ce qui est interdit. Ceux parmi vous qui sont mariés, il a fallu à un moment donné qu'il y ait une publication des bans. Ça veut dire que c'est ce qui a permis à ceux qui voulaient réagir de réagir. Si personne n'a réagi, c'est que vous avez le droit de vous marier. Donc le ban, au Moyen-Âge, celui qui est le maître du ban, c'est le seigneur. C'est-à-dire que c'est le seigneur qui autorise. Si dans le village il y avait un four, le four appartenait au seigneur et le seigneur autorisait les gens à utiliser le four. S'il y avait un bachal,
Bah, l'eau appartenait au seigneur, mais le seigneur pouvait vous autoriser à venir avec vos vaches boire dans le bachat. Le mot, après, il a évolué. On a gardé le même mot, mais plus tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire que le principe de banalité dans ces biaches devient quoi? Ça devient le fait qu'il y a des biens communautaires qui sont accessibles à tous. Et quand on dit le four banal, c'est plus le four du Seigneur, mais c'est le four auquel tout le monde peut accéder. Et c'est le sens, linguistiquement, quand vous dites des banalités, ça veut dire que tout le monde pourrait dire la même chose. Tout le monde est capable de dire la même chose. Donc vous voyez comment dans ces villages, on est passé de la banalité médiévale, où c'était un seul qui autorisait, à une banalité communautaire, où c'est l'ensemble de la communauté qui peut utiliser un certain nombre de choses. Principe de représentation. Ces gens, et ça les a très surpris, on parlera le mois prochain de la Révolution, une chose qui les a peut-être le plus surpris, c'est que les révolutionnaires voulaient quasiment leur apprendre à voter. Peut-être qu'en France, la législation n'était pas aussi ouverte qu'elle l'était en ces villages. Voter, ils savaient ce que ça voulait dire. Une fois qu'on avait l'assemblée des chefs de famille, on prenait les décisions en votant. Et généralement, il y a toujours une formule, les deux faisant le 3. Les deux faisant le 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité n'était pas comme chez nous, à 50% plus 1, mais la majorité était toujours celle des deux tiers. Si les deux tiers étaient d'accord, c'était acquis. On ne peut pas se réunir tous les jours. Donc ça veut dire qu'ils avaient aussi appris, et c'est ça le principe de représentation, à élire des gens qui les représentaient. Donc, ces gens qui représentent, on appelle ça généralement des procureurs. Et vous pouvez élire autant de procureurs que vous voulez. Il y a des procureurs du village, vous pouvez élire des procureurs pour la chapelle, vous pouvez élire des procureurs pour l'alpage. Un procureur, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui a été désigné par l'ensemble et qui doit gérer un bien commun entre les assemblées. Sachant que ce principe de représentation repose sur un principe de responsabilité. Alors, ça, c'est le truc, je pense que appliqué aujourd'hui, il y aurait énormément moins de gens qui voudraient avoir certains postes. Parce que le principe de responsabilité, c'est que vous engagez les frais sur vos deniers propres. C'est-à-dire que ceux qui étaient élus pour 2 ou 3 ans, leurs frais de fonction, de représentation, c'est eux qui les payaient. Et au bout de leur mandat, ils présentaient le compte de leur gestion. Si le compte était approuvé, on leur remboursait ce qu'ils avaient avancé. Si le compte n'était pas approuvé, ben, ils y étaient pour leurs frais. C'est quand même assez engageant de se dire, les frais que je fais au nom de la collectivité, ben, d'abord je les fais sur mes deniers propres, et je ne suis pas sûr qu'on les remboursera. Il faut rétablir ça. Ben, ça permet quand même de faire gaffe. On insiste beaucoup dans ces textes, alors ça vous allez me dire c'est la base du droit, mais j'essaie bien de le rappeler, sur l'équilibre des droits et des devoirs. Et l'équilibre des droits et des devoirs, ben, il commence par les services que je dois à la communauté. Alors, ça porte un nom, hein, on appelait ça la corvée. À la corvée, c'est quoi? C'est des journées que chaque famille doit à la communauté pour que le bien commun ne se dégrade pas. Et c'est là où on voit l'évolution. La corvée au Moyen-Âge,
c'est un droit du Seigneur. On disait que les gens étaient corvéables à merci. Là, la corvée, ça devient un service que je dois à la communauté. Et je ne le dois pas au Seigneur, mais je dois à la communauté. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que je profite de la communauté. Donc, c'est cet équilibre. J'ai des droits, si tant est que je respecte des devoirs. Principe de solidarité. Et je l'ai mis deux fois, mais c'est simplement parce qu'il y a deux aspects. Il y a une formule qu'on trouve très souvent, le fort portant le faible. Et ça, c'est l'importance de la communauté. Si vous êtes pauvre, il part du principe que bon, ce n'est pas le rêve d'une communauté communiste intégrale, tout le monde possède tout. Donc il y a des biens individuels qui font que dans le village, il y a celui qui a 5 vaches, il y a celui qui a 3 chèvres. Comme ça, on peut dire que les riches, il y a des pauvres. Mais quel est le moyen d'atténuer ces différences ? C'est d'avoir des biens communautaires. Ça veut dire que celui qui a beaucoup de vaches, il a le droit de mettre ses vaches à l'alpage. Celui qui n'en a qu'une seule, il a le droit de mettre sa vache à l'alpage. Parce que l'alpage est communautaire. Celui qui est riche, s'il n'y avait pas l'alpage communautaire, il pourrait acquérir un alpage privé. Celui qui est pauvre ne pourrait pas acquérir un alpage privé. Donc, vous voyez, les biens communautaires, c'est quoi ? C'est des biens qui sont ouverts à tous et auxquels on peut accéder de manière proportionnelle suivant ce que l'on a. Le riche comme le pauvre peut mettre leur vache à l'alpage. À la fin de la saison, on va calculer en fonction du nombre de vaches et du nombre de litres de lait qui sont au moment de la peser. Et forcément, à ce moment-là, on fait une règle de 3. Mais au moins, ça ne laisse pas de côté certains. Celui qui a moins peut accéder, comme celui qui a beaucoup, au bien communautaire. Donc le bien communautaire, c'est une manière un peu d'atténuer les différences économiques. Et puis le principe de communauté, c'est aussi le fait qu'on met en place, le plus simple, c'est les fameuses distributions. Moutier, c'est un peu exceptionnel parce que ce n'est pas le même principe. Ça repose sur une redistribution de l'impôt, c'est pas le même. Mais des distributions de pain, il y en avait dans chaque village à un certain moment de l'année. Ces distributions, c'est quoi ? C'est la communauté qui compense par rapport à ceux qui ont moins. Le mot n'est jamais utilisé à cette époque, mais il y a quand même un vrai sens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Le document là, que je vous ai mis, c'est un jour où on l'avait fait prendre l'air avec Camille, on l'avait ramené aux amis, puisqu'il vient des amis. Ça fait partie de toute la série des parchemins des amis. Et puisque c'était une communauté, c'est ça que ça veut dire à lui, c'est une communauté qui avait eu plus de franchise que les autres, ils avaient un sens de la gestion qui était beaucoup plus poussé puisqu'ils étaient plus responsables. Et il y a en particulier des textes très précis sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec la forêt. Ils avaient cette conscience que la forêt, c'est un bien qui est précieux et que, voilà, il ne fallait pas jouer avec la forêt. Bon, alors, ça peut sembler un peu idyllique, tout ça, à rêver, les gens se tapaient dessus, ils disaient du mal de leurs voisins, voilà, mais ils avaient fait en sorte quand même d'avoir des structures vivables. Alors, quel va être le choc ? Siècle, c'est que l'État va mettre sa main sur tout ça, avec une réforme qu'on appelle la réforme administrative. Alors, la réforme administrative, c'est quoi ? C'est à deux étages. C'est un centralisme, et la centralisation chez nous, ça s'appelle une piémontisation. Tu vois, c'est contenu.
Donc, ça veut déjà dire une chose, ça veut dire que l'État central ne parle de moins en moins français. La Maison de Savoie, comme toutes les cours, elle parle français, mais l'administration piémontaise, elle parle italien. Donc, on va avoir un moment où le français dominait, un moment où ça va être à peu près, vous savez, dans les fameux codes de loi, une page en français, la page à côté en italien, et puis on arrivera à un moment où l'italien va devenir beaucoup plus présent. Donc, la piémontisation, elle se fait déjà sentir. Vous voyez, c'est qu'on a deux côtés des Alpes, mais il y a un côté qui est plus important que l'autre. On met en place une administration. Ça, c'est n'était pas jusque-là. Alors, l'administration, vous voyez, vous avez un petit schéma très schématique. Sommet, vous avez Turin. Turin, c'est le roi, mais Turin, c'est surtout les ministres. C'est l'administration, la haute administration, on va dire. Ensuite, on descend d'un cran et on a, alors je parle par rapport à nous, on a Chambéry. Alors, à Chambéry, qui est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'intendant général. Alors, l'intendant général, c'est qui? C'est le représentant de Turin à Chambéry. Donc, c'est une sorte de super préfet. Et puis après, ben, on va dire, la Savoie, c'est grand, donc on va diviser en 6 intendances. Alors, vous n'en avez que 5, mais c'est tout simplement parce que l'intendant général, il est en même temps intendant de la province de Savoie propre, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui est autour de Chambéry. Après, bon, on crée la province de Maurienne, donc il y a un intendant à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le relais de celui qui est à Chambéry, qui est le relais de ce qui vient de Turin. Un intendant à Moutier pour la Tarentaise, un intendant à Bonneville pour le Faucigny, un intendant à Annecy pour le Genevois, et un intendant à Thonon pour le Chablais. Et puis, chacune des provinces, vous les découpez en mandements. En gros, l'intendant général, vous l'appelez le préfet. Les provinces, vous appelez ça des arrondissements. Les intendants de province, vous appelez ça des sous-préfets. Et les mandements, vous appelez ça des cantons. Des cantons. Donc, les arrondissements. C'est l'arrondissement d'Aberdeen, hein, oui. Avec un sous-préfet, oui. Et on obtient quasiment la carte qu'on a aujourd'hui. Et sauf que, bon, on n'a pas la notion de département, elle viendra avec la Révolution. Oui. Mais ça veut dire que là, on a des relais. Oui, c'est. Ah, mandement. C'est ça, je comprends. D'accord. Ça veut dire qu'on a des relais qui partent de Turin. Qui passent par Chambéry, qui de Chambéry, bah, pour nous, vont passer à Moutier, et de Moutier, bah, après, bon, je ne sais plus combien il y avait de mandements en parenthèse, mais voilà, à peu près autant qu'il y a eu de cantons ensuite. Et donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui devient important? Bah, ce qui devient important, c'est l'administration. Et une chose qu'on a remarquée, c'est que tous les intendants généraux à Chambéry ont tous été des piémontais. C'est-à-dire que celui qu'on envoie de ce côté-ci pour chapeauter le tout, c'est un piémontais. Il n'y a pas eu d'intendants généraux à Chambéry qui ait été, par leur origine, des Savoyards. Donc ça montre bien qu'on cherche à verrouiller le système. Et puis, dernière chose, on arrive au bout, hein, la dernière chose, c'est qu'on va mettre la main sur l'administration communale. Comment on va mettre la main sur l'administration communale? Ben, il y a un règlement qui est en 1775 qui crée ce qu'on appelle
les secrétaires de communauté. Alors, d'abord, il y a une chose, c'est que, vu de Turin, les assemblées sont beaucoup trop nombreuses. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la seule assemblée délibérante, c'est l'assemblée qui se situe au niveau de la paroisse. Si les gens ils veulent se réunir dans la chapelle du village, ils le font. Mais au regard de Turin, le seul conseil, c'est ce qui deviendra plus tard le conseil municipal, hein, puisque la paroisse va devenir la commune. Sauf que, là il y a de quoi bondir, dans les communautés les plus importantes, en gros le nombre de conseillers c'est 6. Quand c'est moins important, c'est 4. Dans les petites communes, c'est 2. Donc, on réduit à la portion congrue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de délibération. Si vous êtes 2, ça fait un couple. Hein, mais, je ne sais pas si on y délibère beaucoup. Mais, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 deviennent les relais de l'intendant de Tarentaise, qui est le relais de l'intendant général de Chambéry, qui est le relais du ministère à Turin. Donc là, le principe de subsidiarité, il existe de moins en moins. Et puis, on impose donc, un secrétaire de communauté. Alors, secrétaire de communauté, bah, aujourd'hui, on peut dire c'est le secrétaire de mairie. Sauf que le secrétaire de mairie, au moins en théorie, il n'a pas le pouvoir du maire. Il y a peut-être des communes où parfois les secrétaires de mairie ont plus de pouvoir que le maire, mais ça, ce n'est pas sur le papier. Ça, là, sur le papier, le secrétaire de communauté, alors c'est qui? Il faut trouver quelqu'un qui ait une habitude de l'écriture et des textes. Donc on ne va pas forcément trouver l'occasion. Donc il n'est pas forcément de la paroisse. Et on s'aperçoit que les secrétaires de communauté viennent quasiment tous des bourgs. C'est le relais le plus proche de Turin. Là vous avez la pyramide complète. Et Turin, Chambéry, Moutier, secrétaire de communauté. Alors je vous ai mis quelques pouvoirs. Hein. C'est eux qui convoquent le conseil. C'est un vrai pouvoir, parce que ça veut dire que quand ils en ont envie, ils convoquent. Et c'est eux qui fixent l'ordre du jour. Et l'ordre du jour, en gros, est souvent fixé par Turin qui dit « bon, ce serait bien que les communautés... » Ils ont la main mise sur les archives. Et ça, il n'y a pas de bien plus précieux pour une communauté. À Saint-Jean-de-Belleville, il y avait 4 quartiers. On ne peut pas dire 4 villages, hein, mais 4 quartiers, c'est des groupes de villages. Et bien, les archives, ils avaient une armoire. Et l'armoire, il y avait 4 serrures. Ça veut dire que si les 4 représentants des quartiers n'étaient pas là, l'armoire des archives ne s'ouvrait pas. Maintenant, il y a un gars qui a les 4 clés et qui a accès aux archives. Et puis, ce sont eux, parce que quand l'administration se met en place, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les enquêtes, les questionnaires. Donc ça veut dire que Turin envoie des questionnaires pour savoir comment ça se déroule, et c'est eux qui répondent à ces questionnaires. Donc ça, ça veut dire que cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a un système administratif très prégnant, qui va être mis en place et qui font que ces libertés que les gens avaient réussi à créer, c'est pas que de la liberté, c'est de la vie communautaire, elles vont en grande partie disparaître. Ou si elles restent, elles deviennent un peu anecdotiques parce que les vraies décisions, elles sont prises ailleurs. Le problème qu'ils vont avoir, encore une fois, bon, j'anticipe, quand les révolutionnaires français vont arriver, ils sont accueillis les bras ouverts parce qu'ils apportent la liberté, donc on se dit on ne sera plus dans le système qu'a mis en place Turin,
Mais ils vont se rendre compte que ça s'appelle plus Turin, mais ça s'appelle Paris. C'est presque pire, parce que la pyramide, elle est encore plus importante. Pendant ce temps-là, et après ce même j'arrête, parce qu'il y a une page, mais pendant ce temps-là, je voudrais quand même dire qu'il y a une révolution silencieuse qui se met en place. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 1786, le 8 août. On a Jacques Balmat, et puis le docteur Michel Paccard, qui réussissent les premiers à gravir le Mont Blanc. Mais la date la plus importante, elle est une année plus tard, c'est le 3 août 1787, parce que un an après, celui qui monte au sommet du Mont Blanc, c'est Horace Bénédicte de Saussure, qui est un scientifique, je crois. Et de Saussure, il était vert de savoir qu'il n'avait pas fait partie de la première expédition, pour la bonne raison, ça faisait des années qu'il cherchait à trouver des gars pour l'emmener au sommet du Mont Blanc. Pourquoi ? Ben parce que les premiers qui sont partis à la conquête des montagnes, ce n'est pas des sportifs. Les sportifs, ils arriveront au 19e, c'est des Anglais. Mais les premiers, c'est des scientifiques. Et vous voyez, quand De Saussure fait son ascension, il y a quand même 17 guides qui l'accompagnent, 17 Sherpas. C'est-à-dire, il peut très bien monter au Mont Blanc à deux, la preuve. Lui, il en veut 17. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, il monte avec une cuve remplie de mercure. Comme il voulait savoir si la pression atmosphérique, ça fonctionnait bien, hein, quand Pascal avait émis la loi de Pascal sur la pression qui est en rapport avec l'altitude, Pascal, il avait fait une mesure au pied de la Tour Saint-Jacques à Paris et une mesure au sommet de la Tour Saint-Jacques. Donc, c'est la différence qu'il peut y avoir. Heureusement, il avait un beau-frère qui habitait à Clermont-Ferrand, qui a fait une mesure à Clermont-Ferrand et une mesure au sommet du Puy-de-Dôme. Mais De Saussure se dit, là, on va avoir une sorte de preuve irréfutable. Si ça marche entre Chamonix et le sommet du Mont-Blanc, on n'aura jamais fait une mesure à une telle altitude, et ça va bien corroborer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Puis, ce qu'il dit, hein, je vous ai mis un petit texte où il raconte un peu ses états d'âme, il dit que pour la première fois au monde, il a pu comprendre comment était structurée une bonne partie de la chaîne des Alpes, pour la bonne raison qu'on l'avait toujours vu de bas en haut, et pour la première fois, on le voyait de haut en bas. Donc ça veut dire que pour la première fois, on avait un point de vue qui permettait de dominer un peu tous les pics alentour. Et donc ça ouvre une voie tout à fait nouvelle à la science. N'oublions pas que de 1802 à 1815, à Moutier, on aura une école des mines qui va énormément travailler dans ce domaine-là. Bon, par contre, ça va quand même ralentir un peu. Hein, pendant la Révolution, il n'y a plus beaucoup de candidats pour faire Mont Blanc. Mais après, dès le 19e, ça ouvre une voie qui est autre, qu'on connaît bien, qui est la voie du tourisme en montagne. Jusque-là, donc, il y a quelques chasseurs de chamois qui étaient peut-être un peu plus hauts que les autres, il y avait quelques cristalliers, mais si les gens, on leur avait dit, je sais pas, si aujourd'hui ils apprenaient qu'il y a une ville à 2300 mètres d'altitude, pour parler de Val de Reims, ils sont pris pour des fous complets. Donc, pour eux, la montagne, c'est intéressant jusqu'à l'alpage. La révolution qui se passe à ce moment-là, c'est que la montagne, elle commence à avoir une existence au-dessus des alpages. Dans ce mois, comme c'est le mois de mai, on fait la révolution. Le 2 mai, justement, parce que la révolution. Donc c'est le 2 mai qu'on se retrouve.